C'est dans le cas qui est difficile là que monsieur vous trouvez. Moi, je souhaite chaque grand nèg qui a fait politique dans le pays ça depuis 30 ans, plus passé 30 ans, comprenne et gonti réserve. Chose pour pays ya, gagne en pile là-dedans, qui pas capable de prendre avion pour aller au Canada, pour aller à la France, pour aller aux États-Unis et même traverser la Dominicanie. Ça veut dire qui ça? Gagne pile politicien longtemps. Les combat le kon pété, les fin fait mal mouvement malveillant dans pays d'Haïti. Yo glisse quoi, yo font billet d'avion, yo traverse dans l'aéroport. Aéroport alors, dans l'aéroport Maïgatéen pour tomber Miami. Maintenant, gagne qui même en province dans pays yo, yo pas ka mettre pied. Ça veut dire qui ça? C'est seul Port-au-Prince là que volo a arrêté. Et même m'a dit que avec coulev 9 têtes ça qui cachait derrière un téléphone. Depuis plus passé 4 semaines, kap fait toute qualité manœuvre. Peuple a déclenché une bataille. Yo te la depuis plus passé 32 mois avec Ariel. Yo a pris comme un battable. Yo a fait dilatoire. Yo n'a pouvoir Ariel. Le jour où peuple a décidé lui-même de déclencher une bataille pour tout le monde dans le pays, et vrai bataille a lancé avec arrivé Guy Philippe André dans le pays d'Haïti. Mais lorsque te dit, t'as le conseil m'a passé pour nous. Guy Philippe lance bataille, mais n'a décidé lui-même. Pour yon accaparer bataille peuple là. N'ego décide pour yon accaparer bataille peuple là. Ça veut dire qui ça? Depuis longtemps, c'est toujours une seule stratégie. Boui kap travail pour cheval galonné. Est-ce que Haïtien a accepté lui-même qui fin prend tout mauvais moment ça yo? C'est lui qui prend balle là? C'est lui qui prend kidnapping? C'est lui qui fait courir quitter la calé boule calia? Et bien, il choisit résister. Elle campe derrière un leader, il dit la bataille parce qu'elle croit dans le leader, et bien le bataille arrive dans le niveau. Côté qu'elle mette Ariel dehors, et bien ouais, même nek qui ta côté Ariel yo, il ferme nos chamkay, et puis communauté internationale entend yo pour bailler au pouvoir. Est-ce que vous même comme peuple, vous croisez des bras pour regarder coalition d'assassins qui tape sous ce pays ça? Depuis plus passé 30 l'année, coalition gang ça, qui pas peur ou pas crainte, qui rentre en dedans caillou président de la République. Qui fout le président 9 balles dans le cœur, qui fout les 3 balles dans la tête, et puis yon prend Massio, yon crase président, yon prend Ratio, yon rache président, yon fout madame président 7 balles, jusqu'à maintenant, comme si y a persécuté lui parce que yon besoin pour touye le patrouille. Donc yon fait toute qualité crime dans le pays, hein. Yon rend petit peuple pas qu'à l'école, donc yon crase l'école dans Port-au-Prince. Et puis, ça qui est plus grave, al jeune petit payo, à l'étranger. Madame yo, à l'étranger. Tiboubout yo, à l'étranger, dans tout consulat. Y a beauté comme pays ya. Ou même zan même, kap tande m'la, jodi yo. Ou doit poser cette question. Qui j'en fait là? Pour qui ça ou là? Et pour qui ça ou pas ka sorti? Chaque effort que ou fait, pour être tête dans sa côte ou vol, gon groupe de nèg qui dit qu'on pas sorti. Qui est-ce yo? Yo c'est des haïtiens. Pardon. Yo c'est haïtiens. C'est yo campé devant ou? C'est yo qui fout balle. C'est yo qui dit qu'on pas sorti. Tout effort qu'on fait, qui est-ce qui campe face ou? Haïtien pareil ou? Oui monsieur oligarque yo dit, y a utilisé nous-mêmes encore pour faire tuer nous une l'autre. Mais est-ce que nous avons pris un directement pour venir vivre basse ou non? Est-ce que nous avons utilisé? Franchement, parce que si vous n'avez pas de volonté pour rester avec Poutchoulan, pour venir sur le monde pour vous, vous n'avez pas besoin de monde pour faire pour vous. Nous n'avons pas de crime. C'est parce que un pile policier choisit de mettre au service de Nexayo pour faire crime pour Nexayo qui cause nous vivre dans l'état ça. Dans ce sens, ça m'a dit, ou même en tant que frère, soit je capte de me capter la journée. Haïti trouve le nom kafou côté que li sur route pour une guerre civile, bien sûr. Li sur route pour une guerre civile et qui capable de déboucher sur un véritable génocide. Nan kap chèche yon ou anda nan pays d'Haïti. Parce que pas oublier, monsieur Oligak yo te dit, y a bataille pour réduire la population haïtienne nan, pour yon capable de gon pays à kek le même Saint-Domingue. Parce que yon estime que tè sa pa mérite nous,
yo de foutre nous dehors dans terre ça, mais comme yo pas ka mettre dehors de force, mais yo a pas assassiner nous tout vivant sous terre ça. Y a foutre nous poison. Y a pas nous manger qui gagne poison qui yo connait Dieu de vie nous. Y a pas nous sang qui gagne sida et on fait sortir la Dominicanie. Et c'est yo encore qui porte médicament dans pays, c'est yo qui mettait yo laboratoire qui porte médicament en Dominicanie seulement pour haïtiens. Ça veut dire que yo même yo konn ki manje a baou, yo konn ki médicament a baou, yo konn ki san a baou, yo konn ki jab jero. Nan sens sa m ap di ou même en tant que jeune garçon kap tande mwen kap gade la jodi a destin Haïti la men ou destin Haïti la même destin Haïti nan men moun kap ki ba koto la kap tande kap gade tou destin Haïti nan men moun ki pa pran tan pou comprendre réalité a destin Haïti nan men nou tout surtout nous c'est pays qui population qui plus jeune si alors sur la terre presque 78% jeunesse nous li nan bas alors population nous li nan bas 30 ans ça veut dire qui ça nous qui population qui plus jeune sur la terre de fait la jeunesse ta doué aventurer porter bourré réfléchir pour regarder comment nous ta va mettre pays ça sur l'autre rail mais pour nous faire faut pas peur mourir parce que pas oublier ancien ou pas tenter tout yo nous doué organiser ou pour aider tout sortir dans ça Haïti compte sur Haïti compte sur moi parce que nous c'est petite moi engagement pas m'lan m'prend déjà ou même qui sont décidé faire qui sont décidé faire ou croiser bras ou continuer je domino ça pas regarder ou continuer je katou ça pas regarder ou continuer prendre plaisir ou gougou ou dormir jodi lever demain prendre plaisir fumer ça pas regarder. Et puis après, cool fait 40 ans, ou pas dit pays pas au fond, salope sale, ou pas j'en prends engagement. Pays ou son pays qui a difficulté, seulement pour le sortir, c'est eux même qui prend engagement. La Dominicanité mal en pile, mais de fait, les Dominicains, t'es organisé, alors t'es organisé, surtout pour leader dominicain. Yo t'es metté, différencié de côté, yo t'es fait, ça nous est le dépassement de soi. Yo t'es ouais la Dominicanité tout d'abord, yo t'es chez nous en tête. Puis on a retiré la Dominicanie dans la situation difficile qu'elle t'a connue en 1990, 91, 92, 93, 94, je chita. Et problème dans résoudre. 2024, la Dominicanie a sigé adelante. Nous-mêmes, 1986, nous voyons Jean-Claude Duvalier aller. Depuis là, nous prenons Haïti qui t'a monté. Nous descendons et nous fouillons l'abîme pour nous mettre. Nous méchants pile et c'est politiciens haïtiens qui font détruire Haïti. Et ça qu'elle dit, qu'elle y est. Parce que principe là, si on est dans le babaye, on pas foutu prend. Et logique là, l'éclair, nous devons prendre engagement, nous devons prendre s'habiter nous face avec ça qui est là comme situation. Qui se va galérer pour le moment? Eh bien, je ne te dis où? Haïtien manque de prendre responsabilité dans le dernier temps. Mais par conséquent, dans le prince là, il y a une réalité que nous pas capable de parler de lui. Nous avons essayé de garder comment d'avoir une stratégie pour nous t'aider. Plus ou moins créer moyen pour mon ta va sortir. Mes amis, attendez. Qui ça que monsieur yo fait dans Port-au-Prince? Monsieur organisé yo, yo décidé que population civile n'a pas prend la rue. Comment yo décidé pour population pas prend la rue? C'est grave oui. Nèg yo mette blindé pi bas d'Elma 5. Quel que soit moun dans population, quel ces femme, quel tes garçon, de pour sortir. Nan badelman ou monter comme si ta di ou sorti en 2018 pour monter ka foyer au port depuis ba kop la croix avant li meto là-dedans l'alphysio ou pas prend yo pas genou encore et yo fait pour fi yo fait pour garçon yo fait route nazon quel que soit jeune garçon yo ta jeune kap sorti dans zone solino yo prend ou yo meto dans blende ya y a l'alphysio fami ou pas jam tande encore mais ça son sorte de pression intimidation pour que moun nan quartier populaire yo pa prend la rue parce que pa oublier appel nous un commandant Guy Philippe Tefer quand elle te demandé population civile pour que yo prend la rue pour quand elle te demandé nèg armé yo qui contrôler on sait des quartiers yo faciliter population sorti mettre bouge jam nou en terre pour peuple capable sorti pour la revendiquer ça que veut et mes peuple nan quartier populaire yo c'est pas veut ou pas veut sorti et manifester volonté pour yo sorti pa oublier. C'est chat qui croise les yoa, qui va le fizer yoa. Qu'est-ce qui est dans chat?
haïtien. Policier haïtien. Qu'est-ce qui mette yo? Stratégie sa moun qui mette l, c'est Vladimir Parezon. C'est monsieur qui développe stratégie ça et du bah le résultat. Parce que monsieur estime que quartier qui pis sauvage yo, c'est quartier ghetto yo, quartier populaire yo. Et si quartier ça prend la rue, si de soleil ta prend la rue, pour dire la prend direction chez de masse. Delma de prend la rue, la saline prend la rue, pour dire la prend direction chez de masse. Et Canaran, Bidboy et Chada, ta va prend la rue, pour dire la prend direction chez de masse. Village de Dieu Granvin, Tibois, Carrefour, ta monté, pour dire la prend direction chez de masse. Le ça, ça qui t'est passé dans le pays Sri Lanka, ça qui t'est passé dans le pays Sri Lanka, côté que population, t'es senti que le saturé avec gouvernement, la présidence, et gouvernement, et la primature, et le peuple a de décidé, yo envahi par le national, yo baigné dans la piscine, yo mangé, yo boué, yo valé tafia, yo prend plaisir, yo, même gros kachouboum, kachoumbo, même gros cigare, qui te gagne dedans, peuple a pris le fumé, peuple a baigné, li dormi dans la chambre, et qui te gagne dans le palais, li prend plaisir et puis il pas crasé, li pas brisé. Sauf que yo baigné dans piscine, peuple te soif baigné, moun yo te baigné dans pays Sri Lanka. Moun yo prend plaisir dans pays Sri Lanka et puis à partir de même moment, pas gen gouvernement encore, pas gen l'état encore et puis choisi mais qui est yo mette comme dirigeant yo. Dans pays d'Haïti, nous même en tant que haïtien, même Jean peuple Sri Lanka te fait, nous même tout nous capable faire. La police pas katoué nous tout. Et si yo décide touyer en pile dans nous, yo même tout, yo pas existé encore parce que définitivement, yo pas gagner une bataille là. Ma bande population civile là. Même ça qui t'est passé dans pays Sri Lanka. Côté que population civile là. T'es pris la rue par million. Yo t'es envahi par le national. Yo t'es pris la rue par million. Yo t'es envahi la primature. Côté qui premier ministre là. Yo t'es pris la rue par million. Y a cherché tout ministère. Et bien tout ministère obligé pété courir, ça sorti notre pressé remettre démission yo. Pour que violence physique là pas fait sur eux. Et bien dans ce sens, ça m'a dit que pour pays d'Haïti, nous avons seul bagaille pour nous faire, c'est arriver dans le palais national. Quel que soit le prix à payer, c'est organiser, arriver dans le palais national. T'es un couple qui t'a pas négocié depuis avant hier. Je te prévois matin pour couler cette tête là pour direction au palais national. Parce que Vladimir Parezon, avec l'équipe Boisvert, et puis citoyen qui est dans le palais national, je te paye mairie Port-au-Prince. Pour mairie Port-au-Prince commencer à préparer, nettoyer chat basse là. Parce que la communauté internationale mette pression sur Negio, yon façon pour que Negio ta va faire sa affaire le plus vite possible. Parce que pas oublier, secrétaire d'État américain te dit au bagaille à travers un tweet. Malheureusement, Haïtien pas fait travail. Et en plus de ça, tout, médias traditionnels bec fait rester avec l'un, yon même tout, yon fait comme si yon pas ouais, parce que le pas joue en faveur yon. Monsieur Anthony Blinken te fait un tweet pour le dire. C'est seul peuple haïtien qui est capable. C'est seul peuple haïtien qui t'a tout. C'est seul peuple haïtien tout qui t'a doué déterminer propre avenir. Personne l'autre monde pas t'a doué faire ça. Personne l'autre monde pas t'a doué faire ça. Mais il dit, nous tous qui là, alors, CARICOM, États-Unis, avec l'autre partenaire, nous capables d'aider. Frère avec ça, moi toujours prends pour me répéter pour nous. Gros dirigeant américain, nous rencontre CARICOM sur Haïti, monsieur dit comme ça que c'est seul peuple haïtien qui est capable. Ça veut dire qui ça? En tant que démocrate, lui connaît le droit de respecter la voix du peuple. Partagez mission pour nous. En tant que démocrate américain, il connaît une obligation pour respecter la voix du peuple, voix majorité. Mais se répéter pour dire que c'est seul peuple haïtien qui est capable. C'est seul peuple haïtien tout qui t'a doué déterminer propre avenir. Et il attendait. Et puis il dit personne l'autre monde. Personne l'autre pas ta doué fèl. Personne l'autre pas ta doué fèl. Ça veut dire reconnaître que de pour quitter espace pour yon fond bagay, y a fèl. Elle dit, nous tout qui là, CARICOM,
USA ak l'autre partenaire yo nous capable aider nous capable aider maintenant cherchez comprendre c'est seul peuple haïtien qui capable de reconnaître ça c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir lui reconnaître ça et puis il dit personne l'autre pas ta doué faire ça le dit lui dit ou même en tant que peuple c'est seul ou même qui a fait choix ou. Ça veut dire qui ça l'on fait choix de Guy Philippe ou fait bon choix et ou camper derrière elle et ou doit continuer camper derrière elle deuxième bagage qu'elle dit c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir lui qui t'a doué déterminer propre avenir ça veut dire qui ça sous pas faire il a font bagaille pour quand même il pas jamais quitter l'autre monde vienne faire et c'est ça oui qui fait me dit nous exemple pays et ça qui t'est passé dans pays Sri Lanka je crois en 2022 en 2022 ça qui t'est passé dans pays Sri Lanka OK ça qui t'est passé dans pays Sri Lanka c'est seul peuple haïtien qui est capable c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir li. Personne l'autre pas ta fait pas ta doué faire. Mais nous tout qui là CARICOM États-Unis nous capable aider. Ça veut dire qui ça? Forcing nous est cap fait dans pays d'Haïti ya, ou même comme peuple, c'est seul ou même qui ka empêcher le passé. Alors passé. Mais si ou qui caché dans chambre d'hôtel là, c'est parce que yo connons pas d'accord. Sinon, yo t'a vinn couteau déjà, yo t'a fait déjà, mais ouais que yo pas d'accord. Mais comme yo t'a toujours pas respecté ou comme peuple. Parce que si on te respecte ou, pendant 38 l'année yo, il va traîner pays ou là, il va mettre dans état ça, c'est parce que va respecter la vie ou, il va respecter droit ou comme moun, il va reconnaître droit ou. Il décide de fermer dans chambre d'hôtel pour dire mais qui décision qui a prend nan non, sans que il va demander ou avis ou et l'on exprime ou publiquement ou dit qu'on pas d'accord ou est aussi gay adelante pirade. Maintenant, il décide de faire dernière violence ou comme peuple. Il décide de faire dernière violence ou comme peuple. Comment on va répondre? La violence engendre la violence. La violence stoppe pas la violence. Ah oui, parce que l'on passe pas dialogue pour stopper la violence, quelque part, il fait violence sous. Et pour exemple très clair, pratique qui fait sous Jovenel Moïse. Le gars fait violence physique dans le pays, Jovenel Moïse a prôné dialogue. Là où est que Jovenel Moïse pas voulu, il pas capable et jeter Jovenel, il a décidé à faire violence physique là sous nek cap mandé. Dialogue là. Yo assassiné président. Yo humilié président. Yo fout président 9 balles dans le cœur. Yo fout 3 balles dans la tête. Yo crasé président. Yo maspiné président. Yo pas respecté droit. Yo pas respecté la vie. Yo détruit. Et puis yo campé souterrain. 33 mois après, c'est yo qui décide pour mettre dirigeant pour vous sans que ou même ou pas baille ou avis ou. Ça veut dire qui ça? Sur la forme de violence qui a augmenté sous ou même comme peuple. Mais yo fait parce que yo gagné, yo ti frange de communauté internationale qui a supporté yo par n'importe qui moyen dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, ou doit organiser ou pour foutre monsieur en violence sauvage pour que ou capable de prendre contrôle de la situation parlant comme peuple. Et nous pas capable de descendre plus bas que ça. N'est-ce que décide de faire violence ou même ou doit organiser ou pour faire une violence extrême pour solutionner problème non définitivement parce que nous pas capable quitter aussi des voyous vagabonds criminels sans cœur sans foi ni loi décide à finir avec un pays nos conditions pareilles on va quitter une série de monde qui parle mes peuples à détruire jeunesse nos conditions pareilles c'est pas possible petit tu à l'étranger à pour recevoir bon pain de l'instruction. OK, petit tout à l'étranger, après se voir bon gens l'éducation. Mais ou même petit polan, il a préparé pour faire doctorat dans boule caoutchouc, même j'avec papal. Attention, les haïtiens comprennent la réalité qui est là. Attention. Monsieur a préparé une génération pour ces illettrés bêtes sauvages seulement qui pour la dans 25 dans 25 ans qui pour venir yo. Parce que pas oublier, si moun ça qui gagne 5 ans jodi a, qui pas à l'école là, dans 20 ans encore, c'est bête sauvage qui la pied, la pire que iso, la pire que la mon sang la pli. Attention, ces politiciens qui ont exécuté plan ça pour M. Oligakyo, est-ce qu'on a quitté le passé comme peuple? Attention! Dans ce sens, moi, je dis que, au niveau de nous avec bataille, je suis capable de pas tolérer encore. Je suis capable de pas accepter n'importe quoi encore. Parce que, moi, je dis,
route que monsieur prend avec nous là, son violence extrême qu'il a fait. Oui, Guy Philippe prône une révolution pour libération pays d'Haïti, une révolution pacifique. Que nous, comme Haïtiens, nous acceptons parce que c'est leader nous, nous faisons confiance pour nous suivre, la peine nous. Et nous croyons aller. Mais si toutefois, monsieur décide de faire violence à niveau ça sur nous, quelque part, nous ne sommes pas capables pour nous croiser bras nous, pour nous garder de criminels, de voyous, de sans cœur, qui sont capables de détruire un peuple dans conditions pareilles. Nous ne sommes pas capables de continuer. Nous pouvons parler de Kishoy, de couler cette tête-là, mais par conséquent, gagner et Rosemont Jean qui fait un petit parler, nous pouvons faire entendre, gagner tout. Nèg zamnan, nèg 11 familles, qui est le Jean Rebel dans le Sénat, monsieur parler tout. Nous pouvons entendre ça, monsieur dit. Parce que il y a un pile monde qui dit, monsieur, bah, on t'y l'ancien. Eh bien, nous pouvons entendre ça, monsieur dit. Mais entre-temps, avant qu'on aille plus loin, mon n'a regardé sur l'écran, c'est Guy Philippe 2004 là. Je voulais dire nous ça. Mon abgade sur l'écran, c'est Guy Philippe 2004 là. Mais c'est Guy Philippe ça qui te fout Aristide Deyon dans le pays. Est-ce que nous la peuple haïtien? Mon abgade sur l'écran, c'est Guy Philippe 2004 là. Et c'est Guy Philippe ça qui te met Aristide Deyon dans le pays. Lavalas. Et m'a dit nous, même j'aime te dire hier qui était 16. Avril 2024 là, si monsieur yo décide pour que yo passe par la force, sans que yo pas une volonté peuple là, pour yal force et mettre au coulève 7 têtes plus 2 têtes dans le palais national, si c'est costume ça pour que général la mette sous lui, peuple Issa Campavel pour nous mettre, pour nous faire une vraie révolution sanglante pour nous finir avec le système ça par la violence. Bonjour. Bonsoir tout le monde qui attendait nous, qui regardait nous là. Jeudi, c'est mardi 17 avril 2024. Moi content pour que nous ensemble avec nous sur plateforme Maman Pemba. Plateforme Pépotéen, plateforme qui pas peur chaillant, plateforme qui dit le jeune, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit que c'est avec bataille ça que n'a mené là et que n'a capable mener pays côté pour capable mener là et n'a sauver pays. Partagez pour nous, commentez, like, abonnez si vous abonnez. C'est extrêmement important pour que nous partagez, commentez, like et puis pressez abonnez avec plateforme. Nan. Voilà, nous prenons rentrer dans la déclaration, dans l'intervention que Rosemont Jean, responsable et une structure politique qui est FUNOD, et organisé, alors participer dans l'émission. Nous prenons le fond de Rosemont Jean et puis par la suite. Alors, on a salué tel fort, mais c'est ça, on fait un bel travail. C'est des jeunes garçons, même j'avais nous, génération pas nous. Surtout pour tel fort, qui a fait un bel travail. On salue tel fort de radio et télé éclair dans le pays d'Haïti. Jeunes, ça n'est pas facile. En entendant, naturellement, et heureusement, Jean peut ici. Ou à sa cap avancer, ou se la ou son acteur, ou à frapper sous le terrain, ou sous béton, ou dans manifestation, ou exposition. Je dis à par rapport à la situation, y a qui janouye, qui sa ko pense, qui côté ou campé? Côté ou campé, c'est même côté depuis au commencement, et ma prête là jusqu'à la victoire finale. Et on marche dans la bataille, pas vle doublé de la guerre. Gen de manœuvre. Il y a deux batailles d'opinion, monsieur, a fait. C'est juste qu'il est capable de gagner l'opinion. Mais moi, bon, garantie, et son bataille qui fait démarrer. Peut-être son bataille qui fait démarrer. Son bataille qui fait démarrer? Son bataille qui fait démarrer. Nous pas bouqués, nous pas fatigués. C'est pour Haïti n'a pas. Et ça me besoin, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, émission micro vérité comprendre. Si action cap mené là, si conseil crée que États-Unis, la France, le Canada, la Caraïbes comme le Méticapéa, si l'État n'a intérêt pays ou pas tab jeune américain la donne, ou pas tab jeune la France la donne, ou pas tab jeune la ou pas tab jeune des trois pays en de communauté internationale la donne. D'ailleurs, c'est pas pays ça ou zanmi nous. Yo pas zanmi nous vrai.
C'est un projet que monsieur gagne, il a pas ajusté, il a pas avancé au fur et à mesure dans le plan que vous gagnez. Okay. Cependant, ça qui étonne nous, ça qui fait nous mal, c'est là nous garder, c'est des soi-disant petits qui mettent ensemble à Plouga ou dehors. Et alors, heureusement, Jean, ensemble avec nous, pardon, et pour intervention, dans le micro, vérité. Et puis, cap manger tout le monde dans le cas. Ah, mélanger avec Louga ou dehors? Mélanger avec Louga ou dehors. Mm-hmm. Ça veut dire, ça qui passe là, mais comment vous devez? Mm-hmm. C'est comme si nous gagnons, une petite nocaille, lui ouais sa papa le possédé, mm-hmm. lui ouais papa a fait confiance, lui ouais que papa a servi l'argent, lui même lui pas qu'à prendre, parce que s'il prend l'argent trop, il a demandé le côté de lui. Là, le gang de l'eau vient prendre, et puis gagne à séparer la veille. C'est vrai. Hmm. C'est ça même qui a papa, passé là. Même papa, oui. Oui, c'est ça qui a passé là. Ça veut dire que c'est trois petits pays, je dis, qui mettaient ensemble avec la communauté, avec la communauté internationale, avec trois pays occidentaux, avec CARICOM, pour planifier à tout prix un génocide en Haïti. Planifier un génocide? En Haïti. Ah bon? C'est clair. C'est vérité. C'est exactement communauté. Pardon, pas vous dire encore communauté internationale. Parce que lors de la communauté internationale, il y a un sens, il y a un significatif. Mais là, vous avez trois cousins qui mettent ensemble pour venger nous parce que nous avons battu dans nous. Ah bon? Mais ça qui est grave là, c'est pas étranger à utiliser, c'est nous-mêmes encore. Petit pays. Hein. Bon, c'est nous-mêmes encore. C'est nous-mêmes encore, vous faites fait. Les gars décaissent l'argent. Alors, pendant tout le temps, nous avons souffert là. Pendant tout le temps, Amérique a interféré. Amérique a mis le groupe. Amérique a mis le ministre. Il met l'aime la libre. Il met ceci, il met cela. Il n'y a jamais de nécessité pour renforcer la police. Il n'y a jamais de nécessité pour une coopération militaire. Jovenel Moïse a demandé, il a invoqué la loi américaine. La loi américaine ne pas permettre les États-Unis encadrer la médaille, ni bailler la médaille ZAM, ni vendre la médaille ZAM. Qui est l'amendement de la loi américaine en fait? Qui fait jeudi à l'État intéressé? Ah oui. Ah non, il faut regarder. Je ne vais pas dire que c'est une conjoncture politique là qui ne permet pas que vous supportez la médaille, qui ne pas permettre de vendre la médaille de l'État. Heureusement, Jean. Oui, je t'ai invoqué la loi américaine. Heureusement, Jean. Oui. Bon, et en nous gardant ça, nous, là, nous voyons que, mais c'est vrai, tu as gagné un peu de retard, mais nous sentons que CPA est prêt pour l'installer. Et si nous regardons la conjoncture, comment ça y est, je vous dis là. Nous, monsieur, on va pas avancer. Nous, même là, nous mêmes tout bon côté porte. Alors, oui. Comment? Écris ça. Pourquoi? Sorti. Il n'y a pas installé demain, Jean-Lodoulia. Ah, il n'y a pas installé. Non, il n'y a pas installé demain. Mais l'essentiel, où est-ce que tu as l'installation? Ce n'est pas le premier rendez-vous, Yabbaï. Ce n'est pas le premier rendez-vous, Yabbaï. Oui, ok, pas de problème. Mais seulement, nous, avancement. Qu'on a sans besoin qu'on est. Bon côté pas nous. Qui ça qui empêche nous avancer? Bah, bon côté monsieur, on a pas avancé. Qui ça qui empêche nous avancer pour nous arriver installer nous-mêmes? Bah, nous qui conseille pas nous. Qui ça qui empêche ça heureusement Jean? Obstacle là, il parle de bagaille. C'est parce que nous pas gain des institutions nationaux. Nous pas gain des institutions côté nous gain des patriotes, des nationalistes. Comment expliquer ça? C'est la police qui quitte le pays en otage pour la communauté internationale. C'est vrai, c'est clair. C'est la police, à travers France LB, Vladimir Parizon, Nexayo, ils ont décidé à tout prix pour satisfaire l'ambassade américaine, eh bien, ils ont fait 6 pour. Pour que Philippe pas installé, il faut que c'est sous sang. Est-ce que prendre pouvoir sous sang, ça résout le problème que nous avons là? Jamais. Non, bah quoi. C'est ça qui résout le problème qu'il a, c'est l'armée d'Haïti, c'est la police,
mettre ensemble participer nos complots positifs au pays. L'autre pays quand on voit des références mais on prend ou prend Somalie, Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, c'est que institution pays a rentré nos complots pour retirer pays en bas de la France. Niger qui fait l'armée général Niger qui a fait coup d'état aujourd'hui à la main des pays, c'est parce que institution l'armée a décidé pour mettre main au profit pays. Alors que aujourd'hui à nouveau l'armée d'Haïti qui prend otage par Aristide à travers général là par système nan tout ou prend Francel ben nous tout konn côté le sorti ou konn pour qui ça le mettait par exemple. Pas oublier les parisons qui montent premier nèg li décor il a le fermé plaque d'honneur pour Ariel Henry pendant ce temps il était très très proche Jovenel Moïse alors que premier monde qui bar Ariel Henry plaque d'honneur lui-même c'est vrai jodi a nèg yo dit c'est blanc yo veut faire plaisir mais yo pas faire pays à plaisir Jovenel Lesage la valasse lié la valasse oui Jovenel Lesage non la valasse lié oui. Ça quoi dit la valance là? Oh, bambo. Actuellement, jusqu'à présent, madame Lesage a travaillé avec Aristide. Madame Li? Madame le général Lesage. Oh, a travaillé avec Aristide. Vous faites qui ça? A travaillé jusqu'à présent avec Aristide. Micro, vérité. Na guitage. Son général lui, qu'on y a une série. L'autre dit travail, la caille là. Non, m'a parlé non seulement tu es d'accord vous suivez participer dans complot contre la mer et c'est on va regarder la mer il y a deux nègres là-dedans c'est deux nègres là-dedans qui cocobe la mer et tous des nègres ça ont été démêlés avec la mer ministre de défense ou bien ministre de défense Joseph lorsqu'elle était ministre de public que la mer t'a passé sous lui jodi a qui ministre de défense qui a venger la mer. Les deux pas mettre minute dans l'armée pour arrêter l'encore. Qui bloquait toute ça l'armée à table fait. Et c'est ça que vous regardez, l'armée inefficace parce que tout ancien militaire d'emblée qui a servi pays, ni le stage, ni Joseph, ils ont été mis en quarantaine malgré qu'ils ont touché l'argent dans nous. Ok? Madame colonel général le sage qui c'est général des forces armées d'Haïti là m'pa konnen nan ki poste nan ki ça mais jusqu'à présent chaque après-midi ou bien chaque fois faut aller chercher madame Nika ici. Et alors c'est Rosemont Jean, voilà, c'est Rosemont Jean qui nan micro la presse en ligne, alors la presse éditionnelle de l'Haïti, ok. Bon, ça a été gros, on va parler là. Mais. Et, Taleri, bon, ensemble de moun, yon recruté, moun yon la pendant ma parole avec moi, entre dans la mea, c'est Enol Joseph avec Aristide qui a pété moun yon. Et ça va pas. La mea quoi, dans la mea. Et c'est ça qu'il faut regarder, près de 500 à 800 militaires qui demandé. Ariel Henry, mission, baille au mandat, baille au l'ordre, vous même qu'à rétablir la paix dans le pays. Eh bien, peut-être ça a été baille instruction pour ne pas jamais plus encore dans le quartier général. Ah bon? Et la priorité, monsieur, ministère de finances déjà, yo déjà mis au sous-budget. Yo prend l'argent, yo fait yo quitter le travail. Yo fè nèg yo kite côté tab bay sécurité, yo fè nèg yo perdu ensemble davantage, fè nèg yo fermé nan Akaona et puis là yo sorti parce que yo te gen Joseph ni le sage ni monsieur ça qui Enol Joseph là te gen des démêlés avec yo, li refusé monsieur militaire ça yo ancien ça yo prend charge pour rétablir l'ordre et c'est ça qu'on gen l'armée ou gen l'armée kokobe ça ou gen là. Maintenant, je dis à, c'est là nous y est, nous dans la réalité politique là, c'est certain ça fait
C'est important pour alors position pour la vous exprimer li, nous avec au matin pour ça. Et Vladimir Sodi ou li là gain goût avancé qu'a fait, c'est le constat général, nous tout a regardé. Bon côté conseil présidentiel là, installation c'est pour très bientôt, gain monde qui parler pour demain dans l'après-midi, c'est prévu. À moins que tu aies un petit changement, tu as avoué le pour jeudi. Donc nous-mêmes, bon côté pas nous, sous béton, nous, tout côté, ça fait longtemps la bataille. Qui ça va aller? Et si ça arrive, fait, quelle position nous, c'est pour aller qui ça? En clair? Mais ça va aller. Mais ça va aller. Ça va le finir. Mais maintenant, tu as le force installée sous âme après que tu fais répression. Moi, je dis c'est bien côté mal calculé. Il va aller pour ça encore. Non, époque, c'est vrai, moi-même, m'a utilisé la non-violence pour mener bataille. Hein? C'est la violence, c'est la bataille, violence, moi, son violence, qui chita sous, de façon méthodique, sous des preuves. Ça veut dire, les matins, on a dit qu'à penser, me fait violence sur lui. Non, c'est soit faire et puis me venir avec des éléments. On dit, mais, je te dis, depuis on a gardé des mêlés avec la justice, il n'y a pas qu'à faire partie du conseil présidentiel là. Mm-hmm. Ça veut dire que le conseil a décrié avant même d'installer. Exactement. Et nous allons combattre. Nous allons combattre. Si on force installer le conseil créé là, bon, dire le clair pour vous comprendre. C'est comme si nous, petit, il y a forcé faire ces aïennes pour le faire. Si on force le fait, maman mouille, petit la mouille. Maman mouille, petit la mouille. Écrit samedi là. Ou son j'aime te dire Ariel ou bagay, nous pas de quoi, nous te pas seul te petit, nous te dire Ariel, sou pas gentil envers peuple haïtien. Pays a pleuvant matin la très méchant envers vous même. Est-ce que son j'aime ça? Oui. Où est-ce que vous nous dit ça? Hello, vous dit ça. Eh ben. Des îles pas de sa yon vers Philippe. Ariel te yon côté. Si, galtement te fini dans l'avion en an menant le Ari, c'est pas jamais, pour ton côté, te fait grâce. Vous connaissez tomber le tabal tomber dans la main? Gazavion de manger fini? Ah, si Gazavion de fini, parce qu'il n'y a pas d'aucun côté pour le descendre. Ou est-ce qu'il y a qui s'arrête? Ah, si il était gentil, il était prendre décision pour te constater, il n'est pas. Donc, Mathéen, c'est que Oudi, pour nous venir là, si vous forcez. Si la communauté internationale là, pas étendue la raison. Le m'a parlé les États-Unis, la France, la CARICOM. Et puis, nèg qui a des demandes avec la justice, qui fait partie du conseil, ça. Si on pas prend, si on pas ramener tête à la raison, antécédent, on veut créer dans le pays, si on persiste là-dedans, esprit pays, cosmos pays, petit pays, haïtien de pays, haïtien conséquent qui a boumé, qui passe au pays. Moun ki kon ki sa Dessalines te passé pou te capable ba nou bout tè sa plus passé 200 ans d'indépendance. Nou pa gen ti problème, nou ka gen problème. Pa gen pays pa gen problème. Cependant, yo pa joie souveraineté pays ya. Jodi a les États-Unis a fourni Ukraine tout moyen sa yo pour battre avec la Russie, soit dit pour territoire ak indépendance pour grand monde. Et puis jodi a pour les États-Unis, pour nous-mêmes, nous prend pays ya, nous portel pour 7 nèg, pour 9 nèg, prend pays ya, portel ba étranger. Après 3-4 mois, nous ne pouvons pas évaluer les dégâts actionnés qui peuvent mener là sous le pays. Et nous avons des conséquences sur moi, sous petit point, sur nous tous. C'est gros, on ne va pas annoncer là heureusement. Pour les gens dans la ville, ils sont dit là, oui. Nous avons campé, nous avons fait résistance jusqu'à dernier bout de sang nous avec eux. Nous ne pouvons pas courir pour eux. Nous ne pouvons pas manger pour eux. C'est pour Haïti nous boumé. Nous devons Haïti ça. Nous devons payer à ça. Et c'est la Bible même qui dit, c'est pour côté au métro là, c'est pour travailler pour côté à bien. Bon, parce que si le bon, la bon pour tout. Ah, la maison d'où sous la caille. C'est malédiction au pays qui est l'autre pays qui nous occupe. En tout cas. Mais, nous avons l'armée là, qui a renforcé. Nous avons la police, nous avons des sapes qui ont créé des structures pour rétablir notre sécurité dans le pays. Nous avons mené le pays à nos occupations, c'est pour nous assumer les conséquences et les conséquences pour être fatales pour nous. Conséquences pour être fatales, petite la mouille, maman a mouille dans Césarienne. Dans Césarienne. Merci Rosemont Jean. C'est pour faire Césarienne, il n'y a perdu ni petite là, ni maman. Merci Rosemont. Voilà, justement, c'était Rosemont Jean de Fou Nord Haïti qui tapait et intervenu dans le micro.
jeune et journaliste ça. Et voilà, heureusement j'ai fait des grosses déclarations. Effectivement, marché pressé nèg yo, hein, c'est que yo dou croiser avec résistance peuple parce que pas oublier nèg yo décider faire violence. Il y a série de monde qui pas qu'à prendre la rue, qui pas gain trois monde derrière yo, mais c'est yo qui décider pour cacher des téléphone pour communauté internationale mettre yo comme dirigeant pays d'Haïti. Et c'est grave. L'elle décide de faire comme ça, son forme de violence que lié. Et surtout, c'est nous-mêmes qui mettons Haïti là, mais c'est nous qui décidons encore pour nous continuer à diriger le pays. Ça. Et mais système, ça, messieurs. Tu as un problème, messieurs, qui nous tuent, tout le monde nous finit. Qui nous tuent, tout le monde nous finit dans le pays. Pour pas que trois personnes qui restent dans le pays encore. Et je demande à Haïti de prendre engagement. Haïti de prendre responsabilité. Haïti a sorti. Et pas n'importe qui moyen, l'a sorti. Elle doit sortir. Mon abgade sur l'écran, c'est Guy Philippe 2004. Je veux donc faire et quand tu vas pour mon espace commentaire là parce que nous mettez photo ça là parce que vous devez regarder l'idée là, ok? Guy Philippe 2004 là, 2004, 20 ans d'ici là. Guy Philippe 2004 là, partagez pour nous. Guy Philippe 2004 là, 20 ans d'ici là. Ça pour comprendre, va comprendre. Voilà, gagné et citoyen ça qui est les gens rebelles de Sénat. Monsieur Fontier est venu sous et dossier chita parle avec gang. Plus de détails. En autant de Dossina qui t'a peut-être venu dans le micro et on la presse dans les médias traditionnels Haïti. Et Jean-Rebel Dossina, en autant de déclaration monsieur fait, parce que je toujours accusé monsieur comme n'est qu'à protéger 11 familles qui n'ont 20 âmes dans le pays. Et parce que sous protéger criminels, c'est que la vie moun kap mouri yo, la vie peuple kap détruit pa veli di rien pou. An otan de Dossina. Bonjour à bam plein droit. Ah non, an pose le nom. Ovanes mbapok. Et bonjour à bam plein droit me faire interview, mais quand même m'a bon petit point tout petit. Bon mon petit bail. Comment t'as fait din dans pays d'Haïti, ton égoutial? Quel que soit mounouye ou subi de assaut, monsieur Sal. Oui. Comment t'as fait, dis-moi, fond bagay, quel que soit son frère, ou pas tenir compte de Radio Omega. Non, façon yoye a yo même. Ou gen trois bagay ou ka fave. Ou ka arrête yo, ou ka éliminer yo, ou ka négocier avec yo, ou ka négocier avec yo. Ou même moi fait choix. Dans le moment où il y a, vous regardez, est-ce qu'on a force assez ou qu'on a gommé? Est-ce qu'on gagne assez et poigne pour camper en face? La paix n'a pas de prix dans le monde. La paix, c'est sacrifice lié. Sacrifice. On joue le jeu. Et même, ils ont grand goût manger. Et c'est ça qui fait, on met des forces légales pour combattre force illégale. On y a souvent sauvé les gourmets, pas pour m'avoir, mais souvent pas les gourmets. Bon, j'en veux pas la veille. Mais moi-même, mon cap touché pour ça, mon société, il y a pas de taxe société. Dis ça à fait, depuis le 29 février, tout le monde dans le pays d'Haïti a vu un moment difficile. Tout le monde, quel que soit mon nom. Longtemps, on était qu'on a marché sous Fadra, sous Tifarol, et dans la rue, mon qui. Le petit monde qui n'a pas été pour venir reprendre sa crédit à l'eau. Dans le 21e siècle, il y a chassé, Kaplan là, il est toujours. Je ne dis pas, Romanes, il a marché. Sous cadavre. Tout rigole sans. Tout côté au métier, c'est ça. Quel que soit, ou lancez des privés, ou lancez des marchands, ou lancez des quartiers populaires. Nous ne pouvons pas aider tout. CNDD n'a pas aidé. Parce que CNDD même qui te dit qu'il y a 11 familles qui ont des âmes dans le pays. Ces zames ça yo kap touye moun nou pa aide si n'te di même moi même mando l'islam sou parle di moun yo ou ta bom l'islam da di peuple la mais qui est nous pa aide bay peuple la l'islam di peuple la kon qui est et que la pointe ta pou faire Romanes oui radio moment c'est pas moment ni 11 ni 20 ni 30 moment c'est moment pour nous garder pour nous dans qui état nous y côté nous pour aller. Moment, est-ce que les gens qui ont un document officiel de la main ou à ça ou de Farrel, à qui moment ils ont utilisé? Est-ce que vous avez chaque membre de la sécurité pour vous aider? Nous, même jour, nous disons que nous ne pouvons pas menacer nous, c'est parce que nous ne pouvons pas menacer les intérêts.
Si nous demandons à CNDDR, nous ne pas appeler encore. Parce que vous avez demandé la guerre. Nous pensons que la question ça vous pose maintenant. N'importe qui a fait une interview avec l'autre monde, vous demandez. T'as pour qui est-ce l'autre monde? Qui est responsable? Donc c'est sécurité ou pas de banon qui fait une bagarre contre qui est-ce qui en sont mis? Et pas sécurité ou pas de banon, moi je dis. Est-ce que vous besoin, est-ce que vous parlez en même déjà? Qui ça vous fait avec? Parce que chaque monde qui a parlé des documents, ces documents qui sont côté là, qui sont des gens qui connaissent. Peut-être que ces amis, ce n'est pas des gens, c'est des familles. Dans le document, il dit Dorsena a rapporté que des bandes armées ont déclaré que si les autorités avaient négocié un accord avec elles, sans aucune hypocrisie, elles auraient déjà pu abandonner leur activité criminelle. Mais. À l'époque, je me suis dit 2 ans, 1 an d'esclave, je me dis même pas ça, ou répétez-moi. Je me dis, il faut que mon négociation cesse avec mon nom. Sans mentir. Parce que si vous parlez de mentir avec mon égamé, vous devez mourir au commencement. Quel que soit le monde où il y a, si vous parlez de négociation avec un groupe armé, les mille réflexions, ce n'est pas mentir, c'est la vérité. Pour la vérité, est-ce que le gouvernement est sincère dans la parole? Ou qui a maltraité la société, d'accord, mais on parle pour engagement, ou elle dit on est quoi fait 10 soit fait date, demain matin, et puis on est là, quand on va bien dans le quartier, et là, on est sorti, et là, on est dans le corridor, et là, on est dans le corridor, on consacre le quartier populaire bien, et on tout le quartier populaire. Côté non, Wyclef saute-t-il vite entrer dans le bar, c'est parce que c'est MDDR quoi que Wyclef a aidé ou bien? Wyclef Jean te demandé aux commissions à activer. C'est ça qui fait Guitéré Lem. C'est dans le contexte ça Guitéré Lem. Hein? Littéré moi pour le demander, moi, qui meilleure solution, qui meilleure stratégie nous capables. Moi, dis lui, avec Wyclef, avec Jean le fonctionné et M. Konn fait programme pour la paix, je pense avec lui, nous capables. En pile bagaille capable de faire. Monsieur Améo, c'est mon yo et tout. Yo tende, yo réfléchi, yo. J'en vois, yo a pas agi à yo konn sa pou yo faire. Yo da tire tête, yo da tire kwe, yo da tire famille, yo. Ou a rien agi. Yo dit, yo ge réflexion par yo. Je pense que le message ou avec le flas son bon message. Nous te ka utilise le parce que nous te utilise. Alors, moun kap pale à ces Jean Rebel Dorsena. Dorsena nous connaît qui gen non. 11 familles qui vendent des armes avec balles dans le pays, qui touillent les peuples, qui finissent avec les peuples haïtiens. Mais qui n'a jamais courage pour que les communiquer, liste non 11 familles. Mon ap mouri, les gens qui kidnappent les gens, les balles vendent, les armes continuent de vendre, mais le style non 11 familles dans la poche. Et ça qui intéresse lui. En tant que monsieur qui est venu là, monsieur dit que Guy Philippe Terrelel, monsieur dit que Wyclef te balavel, sous dossier, comment vous êtes capable de faire un mouvement pour nous. Désarmé et puis désarmé messieurs à Sapatio pour nous capable mettre la peine en pays là en dedans qui ça que l'a dit toujours ça pas bon même de ca utiliser ça bon tout journée jour dit nous te ca utiliser ça va avec le dia pour mener vers l'avant parce que artiste pays là qui a aidé tout artiste net quel que soit artiste footballeur musicien tout le monde qui a aidé là. Parce que nous avons une situation difficile là, au Manès. Pas de personne en Haïti là, actuel là, qui a dit qu'on prend rien. Personne n'a dit ça parce que tout le monde, ça a ouvert de l'eau sale sur eux, ça a ouvert de l'eau propre sur eux, il a fini à tout le monde dans la société. Nous n'avons jamais conduit une bonne négociation free dans le pays d'Haïti. Nous toujours fait le sous-menti, nous toujours fait le sous-bluff, et ça mène nous là. Ça, on a baillé couille au blé. Côté où vous mener bagala et là la avec vous ka imagine ou quantité moun k'ap mouri université mouri bandi mouri tout moun mouri en pays d'Haïti. Je ne vous dis pas parce que c'est un moment qui est plus important non vie nous pour nous dit bon assez côté nous hier nous vivons en bout non en nous font bagaille pour Haïti parce que toute négociation qu'a fait là. Dans les négociations pour voir même pas un mois où Haïti là-dedans. Qui est ce monde, depuis le 29 février, qui a dit
gouvernement ça a tombé, mais qui est-ce qui jette? Dis-moi, ou même qui dans la radio, son gros journaliste, ou fait interview à tout le monde. Dis-moi, qui est-ce monde qui relè? Ou tente de l'autre radio ou fait l'autre journal international? Est-ce que j'entends un monde qui dit, mais qui est-ce qui jette le gouvernement? Oui, mais sauf que mon gars, mon qui croit que c'est bandit qui fait avion pas voler X, Y, Z. Mais dans tête pas l'autre monde tout qui a fait réflexion. Il dit non, mon cher, c'est blanc vle kembe Ariel là-bas. Si blanc te vle ke avec Marines américains qui avec deux mondes là-bas, 15-20 nègres là, t'es qu'à descendre dans la ville de Ariel. Comme l'autre bar, t'es à poser tout comme question. Oui, c'est qui ça? Oui, pour le problème, c'est que c'est pas bandit qui fait Ariel pas qu'à vini. C'est blanc qui parle Ariel vini. Si bandit. Si... M'arrive là, mais moi, je dis exactement ça lié. De toute façon, si nous arrivons là, je ne dis pas là, je pense que Romanès, il y a un problème qui mène nous là. Nous n'avons pas de disposition pour nous faire rien. Nous n'avons pas de disposition pour nous critiquer, faire mon mal, mais nous n'avons pas de disposition. Pour question sécurité Haïti. On regarde si nous t'as prendre disposition pour dialoguer par exemple. Parler à Bandi ou dit d'ailleurs faut ne pas laver yo sans problème. Peut-être monde qui n'en place ou bien en position pour pas laver yo, qu'a pas laver yo. T'es gen Genève, t'es gen GPEP. Maintenant les gars, yo pas battre entre eux encore, y a fait vivre ensemble. Mais soit Genève ou bien GPEP. Yo te konn pa la avec CNDD ou bien CNDD te konn pa la avec yo. Est-ce que depuis la vivant ça me forme ya nous continuer pa la avec yo, yo rele nous ou ben nous rele yo pour nous dire mais ça n'a fait. Romanes, question ça son question stratégique dans pas de la radio. Ken pa m gadou. Depuis gon bon sincérité dans négociation qui pour Radio Omega. Yo mon yo respecte l'autre que mes paroles nous. Da pa gen l'autre institution, pa gen l'autre et nous avons dit l'autre corps, l'autre groupe en Haïti qui est CNDDR qui vous parle avec nous. Personne en Haïti n'a pas le droit de lever pour aller parler avec aucun groupe armé officiellement sans CNDDR. C'est CNDDR qui pour faire négociation en attendant que vous crasez le fond l'autre. Si on lève matin là, la police dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Radio Omega. Pour faire pont, c'est pour ça que c'est NDDR là. Je dis, je ne dis pas là, quel que soit mon nom, quel que soit ce qu'on est capable de faire, il faut reconnaître qu'il y a un problème dans le pays d'Haïti. Si on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas diriger vrai. Parce que les gars, si vous faites au niveau international, vous parlez de nous bien, si vous faites, vous parlez de nous mal. C'est vous-même tout qui, quel que soit, groupe où elle a cap négocier, c'est grâce à avec groupe armé parce que si ils utilisent mal, ils pas jamais utilisent bien parce que gen jeune garçon pensé qui dans groupe ça carré serré gen carré football gen cal dans l'armée gen cal qu'on pas quelque côté nèg yo calé. Mais je ne yo dis ah, pas tout non, pas dit tout. Mais quand même gen jeune ti moun, Romanes. Dinazon et m'a ba ça comme primaire par rapport au même. De Nazon, Adelma 4, descend en bas la ville, passer Belle, Montessorino, arrivé Fort National, descend jusqu'en bas net sous la ville là. Gagné 1373 corridors. Yon connecté à Clot. Comme le dit là, comme l'expliquer. Corridor. Yon de qui semble expliquer, m'a dit m'a gagné 1373 corridors. Sauf l'expliquer de corridor. Corridor, c'est une zone où on va besoin de passer dans la rue pour sortir, pour aller faire rien du tout. J'ai dit, corridor, il y a une connecté à Claude. J'ai dit, il y a un document qui paraît dans le CNDDR. En plus encore, vous pouvez imaginer un petit monde 11 ans jusqu'à X, les 11 ans, non, mais, on a dit, sans réflexion. Oui, mais, problème, dans le Sénat, bon, interview avec Barbecue, me poser la question, li ou les langues dans la bouche, il ne va pas répondre moi. Pas nous demander pour nous parler avec vous, sans problème. L'État a qu'à parler avec vous. Mais, faut qu'on ait qui ça vous voulez. Qui ça vous voulez vous-même? Ça vous voulez. Mais justement, quand y a là, eh bien, c'est là que je suis à votre aléa, oui. Qui ça vous
ou pas qu'à dire ça vous voulez, c'est vous qui font une proposition. Oui, ça me besoin, je me besoin connaître qui ça a besoin ou même qui ça vous voulez. Pour vous faire une proposition tout, faut bon monde qui gagne volonté et non plus au niveau de l'État et ça me saute explique là, bon gouvernement démissionnaire. Bon gouvernement qui a venu, gouvernement démissionnaire n'a pas pris aucune charge là pour le moment. L'élite pour le charge là, il va prendre, il quitte le moment passé. Quand il y a un gouvernement qui va venir là, c'est lui-même qui pour connaître, qui va prendre la bonne des questions avec nous. Laisse ça nous-mêmes, n'a fait ça nous pour nous faire. Mm-hmm. Mais cependant, le gouvernement qui l'a eu, il a pris charge pour nous dire, on nous demande une trêve. Parce que personne ne va demander de trêve. Tout le monde qui débarque à la poule, la façon par eux, parce que bon pour eux, les qui ont sécurité, le bon pour eux. Parce que, bon, quand on y a là, on en est. Tout le secteur privé qui débarque dans l'hélicoptère. Mm-hmm. Si malheureux, il y a un corps pour même prendre une moto pour sortir. Quand il y a qui est qui a mouru là, il y a un malheureux avec malheureux qui a mouru. L'hôtel est fermé, pas que personne dans l'hôtel encore. Tout hôtel est fermé. On y a levé, on quitte nous. Nous quitte nous, on a tout l'autre. Chaque jour, on dit, mais ça quoi le fait, mais ça qu'a fait. On a fait un paquet de bagailles. Et pourtant, on n'a pas considéré les gens qui ont contribué à cette action pour les gens qui officiellement mangent du bois. Et puis, on n'a pas fait pour eux. Nous avons un problème sérieux là. Barbecue, tu t'es dit dans un journal et que Zamio pas bébé si on pas sous table dialogue là. Est-ce que, et que Negio, c'est espace pouvoir, Negio a cherché là? M'bave di yo vle pran pale pou mete Guy Philippe Jean-Pierre Mon Abdil, men se nan la ria metou m'tan de information yo. Est-ce que CNDD yo ka pale ave yo pou au moins on négociation, convainc yo, soit CPA Vinchita avec yo, ou bien est-ce que m'te ka di fè pou pou yo quand même pour une certaine négociation? Comment est-ce que je vais expliquer ça que passe? À chaque jour, chaque jour, on va être content pour vous bonjour. Et puis l'amour en bas, il va gagner des pita, pas mourir, mais on va mourir. Ou qu'à mourir, va écouter. Je vais me répondre. Depuis un an, grand pile monde dans le gouvernement, tu connais vivant ce moment-là. Je te connais mission. Qui ça a fait? Est-ce que tu es pour une disposition pour ça? Parfois, l'on va là, il y a même fort qu'on est, il y a laissé 50 gouttes de demander. Mais pourtant, il y a la privée, la mi. Eh bien, je dis à l'église, vous passez dans la première phase, il y a l'autre phase encore. Si nous pas bonne disposition. Aïe, et puis, l'on a dit qu'on a négocié, on a parlé avec moun, on a parlé avec moun, il y a une pile parole qui a fait. On a dit, je ne vais pas dire plus parce que je ne vais pas pour mes non, on ne vais pas facile. Je ne vais pas dire que nous sommes importants pour le pays. Il y a des choses qui ont dit. On a dit, évitez-moi parce que trop menace. Je ne vais pas dire plus. Bon, bon, la dernière question, ça pour aller. Une fois pour tout dans le Sénat. Nous songe j'étais gagné un juge qui t'a travaillé sur dossier Jovenel là, il t'a invité où? Écoute le divan ou t'es parlé avec elle et on t'a même posé aux questions, on t'a dit ça, dérelo après ça ou ma au moins ou pas un problème avec vous. On t'a même posé aux questions sur question 11 familles. Pour une fois et pour l'histoire, pour la vérité. Est-ce que c'est dit ou pas dit qui 11 familles ou bien l'air pour arriver? On m'a exprimé par qui gagne, m'a pas vu non radio, m'a cité non personne. Est-ce que tu as mon document? T'as l'air, quittez-moi pour nous, posez-moi question, m'a pas non. M'a pas vu non radio pour ma bonne non personne. Gagne un groupe moun qui travaille sur un document qui c'est CNDDR. CNDDR là, bon moun qui administration li c'est primature. Primature a gagne un paquet moun qui structure en dedans sécurité pays. Ou moun gen doit bon information sur Romanes, li gen doit faux. Mais privatu a gen moyen amen, li gen moyen économique. Yo gen yo payé service de renseignement pour y al contrer carré ou son contrer vérifier information yo. En plus, gen la police tout, gen la police judiciaire pour aller vérifier contre information yo. Est-ce que moun yo qui la yo ou son té la yo, est-ce que yo vle sécurité? On ne laisse pas poser une question ça. Parce que tout le monde qui l'a
système sécurité. Vous faites ça chaque jour dans le Sénat, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Vous faites ça chaque jour. Est-ce qu'on a un bon document qui est un bon document? Est-ce qu'on a un bon document qui est un cité? Eh bien, on va laisser ça, ou même on met dites-moi aller vers l'autorité qui est étatique, et puis on met dit, est-ce que la commission a un document en main, et puis laisse ça, et bon, réponse ça. Merci beaucoup. Merci un peu. De quoi t'as fait parler ça avant? En même temps. Voilà, Jean. Voilà, si c'est pour non, 11 familles, pour le Sénat dans le pays, il n'y a pas de gens qui parce que tout simplement, non, 11 familles, ça, c'est eux qui ont des copes, c'est eux qui vendent des armes, c'est eux qui vendent des balles, et c'est eux qui corrompent tout secteur, c'est eux qui contrôlent le pays. Dans ce sens, on a décidé de faire cob pendant que les gens ont mouru dans le pays. On a continué à mener la bataille parce que c'est là pour aller. Ok? C'est exactement où ça pour nous faire pour nous garder comment d'avoir retiré Haïti la situation difficile qu'elle trouvait là. Voilà, il y a une pile question qu'a posé. OK. Sous Guy Philippe. Est-ce que Guy Philippe était dans drogue? Est-ce qu'il était ceci? Est-ce qu'il était cela? Mais n'ego pas jamais poser question sous complot qui n'ego était manigancé pour tuer Guy Philippe dans pèlerin 11 ans dans la boule 10 là. Ça veut dire que grand objectif là depuis au patrouille ou faut nous joindre moyen quand même pour nous détruire. Yo fait le sous Martin Moïse. Yo al touyer président. Yo touyer première dame non, mais c'est bon Dieu justement qui balle la vie. Sont-ils vivants? Nèg a campé le jour comme ça que Martin Moïse était avec Claude Joseph, garçon avec femme. Claude Joseph était avec Martin depuis les Jovenel Moïse était là, c'est ça yo di ou parce qu'elle pas mouri. Parce que tout simplement, n'y a pas arrivé tout yel. Yo dit l'enceinte, yo pas ka bo, kote petite la passe, avec kote enceinte la passe, ça pas suffit. Yo dit madame nan, ta avec Don Kato. C'est n'y a qui mis quoi, oui? Zami Pierre Espérance. Tenez bien, ou ap koupon koupon a sorti. Léo et Jacques Kito a pas ka kebe, yo dit Martin Moïse ta avec yon assassin yo, qui assassine Jovenel Moïse, James Solage. Ça pas ka kebe. A yo dit madame nan touye Jovenel. Yo rive là. Et puis, vous sortez ordonnance, vous dites, madame, vous êtes Jovenel. Mais comment vous fonctionnez? Jeune garçon, même j'avais nous, qui choisit de faire des jobs, jobs sales pour le système, nous n'avons pas compte côté Haïti. Même si nous sommes seulement pour nous sortir, non, situation violente pareille, c'est avec la violence sous toute forme. Et violence que nous avons décidé de faire dans le pays pour le moment, nous devons répondre ni pas à la violence. Secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, te dit un bagay. M. dit comme ça, dans un tweet, c'est seul peuple haïtien qui est capable. Et puis là, le pilote pour le dit, c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir. Peuple haïtien, ça vous le dit encore, c'est seul nous capable. Eh bien, nous montrons capable ou reconnaître que ou sont diplomates, ou sont démocrates américains. Ou respecter majorité, décision majorité, et bon, ou connaissez seul peuple haïtien capable, et bien peuple haïtien dit le vle, Guy Philippe. Et ou al pilon pour dire, c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer pour pas venir. Et bien, ou est si nous pas faire, ou faire pour, et bien nous faire. A tout ça, n'a pas si gardé l'anté pour nous forcer, ou coulever cette tête, venir installer l'Union nationale, c'est violence. Et m'a dit peuple là, problème n'est pas secrétaire d'État américain ni tout le pays États-Unis dans ce sens ça. Parce que n'est qu'à poté pour les salles de l'État national, c'est haïtien. Mais violence là, c'est supposé faire sous yo. Violence physique là, c'est supposé faire sous yo. Parce que yo a fait violence sous nous. Depuis 30 combien d'années, ça va suffire. Mais nous-mêmes, nous devons marcher pour yo. Faut que nous fassions bagay. Mais si yo méchant trop, un vacabon. Nous détruisons le pays, ça va suffire. Nous faisons toute qualité crime dans le pays. Nous ne pouvons pas suspendre. Mais Abraham dit c'est assez. Faut que les campés là. Voilà. Maintenant, Koulev cette tête a préparé pour entrer dans le national. Il n'y a pas de moyen parce que et il a mené Koulev à l'école, c'est vrai. Mais sauf que il pas cachita. Ma pande moun Port-au-Prince commence à retirer corps nous. Moun Port-au-Prince retirer corps nous parce que moi que c'est coup de zame qui va le marier par le peuple la victime. Moi même le nèg à sa patio qui fin mener bataille pa yo qui estimé que classe politique, t'en as bien, mais c'est comme ça qui est grave là. Guy Philippe rentre dans le pays d'Haïti, il lance opération révolution pour libération pays d'Haïti,
2024. Bataille après cher, il y a des secteurs qui trouvent que discours ça libre pour eux. Et bien, ils choisissent d'entrer là-dedans. Ariel tombé. Qui est-ce qui vient pour prendre pouvoir, accaparer pouvoir? C'est même classe politique là. Vous trouvez la vie facile, violence extrême. Ça les deux suspend. Et problème pays d'Haïti, comment le résoudre? Madame Lalim, ancien ambassadeur pays d'Haïti, et pour les États-Unis d'Amérique, il était parlé dans un micro dans la coupe pays d'Haïti. Nous étions notre parti dans l'intervention. Naturellement, on va le permettre de nous entendre toute interview ça. Que Wendell Théodore fait ensemble avec Madame Lalim. Nous allons attendre avec un pile intérêt parce que il y a un pile bagaille que nous devons attendre et pour nous comprendre dans ça qui dit qui est extrêmement important pour nous attendre Madame. Madame Lalim, en nous attendant Wendell Théodore, n'est Jacques. Sauf que, une question que Wendell posait, Wendell, respect pour vous. Bab dit plus. En nous attendant Madame Lalim, dans l'interview ça avec le journaliste Wendell Théodore, et côté qui vous parle de Guy Philippe, une question parce qu'on est bien. Vous parle parler de la situation de sécurité pays d'Haïti. Madame Lalim vous parle répondre, il parle dit exactement lui-même ça le pensait. Elle dit clairement tout, oui, qu'il n'y a pas capable. On s'est clé sur ça, on avance. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Madame White, Madame l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur Radio et Télémétropole. Merci, Ampi. Je suis très content d'avoir la possibilité de vous poser des questions. Moi aussi, allez-y. OK. La première question que j'aurais bien aimé vous poser, Madame White, les Américains ne négocient, en fait, affirment ne pas négocier avec des terroristes. Comment vous comprenez le terme, comment pourriez-vous nous expliquer le terme terroriste? Qui l'est ou qui ne l'est pas? Ouais. Merci pour cette question parce que c'est beaucoup des amis en Haïti m'ont dit mais pourquoi vous avez dit ça, c'est pas bon de tout, ma téléphone était bling mille fois. Mais c'est ça que j'ai dit qu'il faut parler avec, il faut prendre quelques minutes pour parler avec les bad guys. Je n'ai pas dit qu'il doit être en puissance. Je n'ai pas dit qu'il doit contrôler le gouvernement. Attendez, mais ça que Madame a dit. Madame a dit comme ça que, après elle a fait une déclaration dans un groupe média international, quand elle a dit, et situation pays d'Haïti, pour nous sortir là-dedans, il faut qu'il nous négocie. Alors, il faut qu'il nous négocie avec Guy Philippe, ou pas qu'à jouer une solution sans Guy Philippe. Et là, le pilon pour le dit, ou partager nos solutions sans normalement Jimmy Cherizier alias Barbecue. Il te dit ça, mais il y a ça qui est intéressant pour nous connaître. Qui est-ce qu'on s'acquire les madame? Non. Parce qu'il dit téléphone, il a sonné, blem, il a pédé, il a dit, ça le dit, c'est pas bon, tel bagaille. Qui est-ce qui relève? Et c'est là qui est intéressant pour nous, hein, oui, on avance toujours. Peut-être, n'a parlé là pas, il n'a compris plus. Et chercher, n'a pas cherché, mais pas oublié, non? Son diplomate américain qui a parlé en avancé. Je n'ai pas dit qu'on doit être les meilleurs amis. Seulement que si vous avez quelqu'un qui contrôle 80 personnes de Port-au-Prince et même plus, je crois, maintenant, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée si quelqu'un, sous la table, si vous voulez, demande à lui, à cette barbecue et peut-être son équipe, seulement demander qu'est-ce que vous voulez. S'il dit, moi, je voudrais être président, OK, c'est fini. La négociation, c'est fini. Il ne va pas être président, évidemment. Mais de l'autre côté, moi, je vois que je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir boots on the ground. C'est-à-dire, il faut une force militaire internationale. Et je crois qu'il doit avoir une bonne idée quel est le vrai problème.
qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pourquoi ils sont là en Haïti? Et personnellement, moi, je crois que les troupes, 1000 troupes de Kenya... 1000 soldats de Kenya? Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. C'est clair. Je crois qu'il faut une force militaire. Et personnellement, je crois que ça doit être américain. Je sais que tout le monde, tous les diplomates en haut, les grands types de Washington a dit que c'est non, on ne va pas envoyer les troupes américaines en Haïti. Attendez, mais ce que Mme Nadi est très bien pour nous comprendre. Elle dit que pour 1000 soldats Kenya, qui ont prévu qu'ils pourront entrer dans le pays d'Haïti, il n'y a pas d'espoir. Ça veut dire qu'elle dit qu'ils ne sont pas capables. En logique, elle dit qu'ils ne sont pas capables. Elle dit que même seul salouet qui est capable de résoudre le problème, si qu'une pas choisi de dialoguer, c'est seul une force militaire américaine, dit tout préciser, oui, une force militaire américaine qui pourra déployer, qui pourra résoudre le problème. Non. Pour moi-même, il n'y a pas qu'à piquer ça, non? Honnêtement. Parce que, j'en virais, monsieur, yo, j'en monsieur contrôle la capitale pays d'Haïti, j'en liais, faut que c'est une force qui est mille fois supérieure par rapport avec eux-mêmes, et faut qu'on accepte qu'on parle tout en pile monde. Faut qu'on. Ou admettre ça et pour chercher la paix tout quelque part, si c'est comme ça pour le fait, qui nous t'a jeune ni. Mais pour dire tout, est-ce que l'administration Biden a le même cap fait politique qui n'ont en électoral normalement? Est-ce que le pral voyer des soldats, t'as entendu qu'il y a des soldats qui blessent ou bien qui prennent balle à Haïti? Le sal pas pral difficile pour lui, peuple américain pral lever contre lui, le sal a tout perdu l'élection, et comme si m'a dit, c'est plus facile, si le tap gagne. Vous comprenez moi? En avance avec madame Lalim. Encore une fois. Mais pour moi, je ne vois pas une autre solution. Et une autre chose. Je crois que quelqu'un, un journaliste ou quelqu'un a dit que Mme White, l'ancienne ambassadeur, elle est un dumbass et on n'a pas besoin des dumbass en Haïti. S'il vous plaît, madame, dans tous mes respects, je peux être un smart ass, je peux être un bad ass, mais je ne suis pas un dumbass. Merci. Vous traduisez pour nous cette dernière phrase? Oui, oui. Il y a des gens qui disent que je suis un oiseau de mauvaise augure, que je suis quelqu'un qui n'est pas tout à fait positif ou bien qui prêche de mauvaises intentions. Je ne le suis pas. Mm-hmm. Je dis tout simplement que c'est nécessaire. Qu'il y ait certaines considérations particulières. Je dis, tout haut, ce que les gens disent tout bas. Mmh. OK, en tout cas, je n'avais fait allusion à personne en particulier quand j'ai posé la question, quand je vous ai posé la question, madame. Mais vous m'encouragez là à enchaîner avec une autre question. Notamment, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Joe Biden... reconnaîtrait un gouvernement issu d'un coup d'État avec Guy Philippe ou Barbecue? Non. Est-ce que je crois que le gouvernement de Biden va parler avec un gouvernement qui était à la tête de Guy Philippe ou Barbecue? Non, 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 certainement. Pas de question de ça. Mais aussi, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'autre côté, cet nouveau conseil de transition, ça, c'est aussi, il y a déjà des problèmes avec ça. J'ai parlé avec quelqu'un hier soir qui dit que la chose qui était dans le moniteur était complètement différente que les mots que le nouveau conseil veut d'être dans le moniteur. C'est-à-dire qu'il dit que les 9 ou les 7 membres, 9 peut-être, doivent avoir un certain. Ils ont demandé des choses qui ne peuvent pas être faites maintenant en Haïti parce qu'il n'y a pas un judiciaire où on peut avoir certaines choses. Les choses, les mots qui étaient dans le moniteur
c'est presque... Il pose un problème pour que les neuf membres, les nouveaux neuf membres, ne peuvent pas prendre la place en Haïti comme le gouvernement. C'est stopped. Pour le moment, je vois, je ne sais pas ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, mais moi, je vois que le nouveau processus, qui au moins, c'est quelque chose, c'est un mouvement, maintenant, ça aussi, c'est bloqué. C'est ça que vous pouvez, que vous croyez aussi? Que le processus est bloqué? Oui, je crois. C'est complètement bloqué parce que les mots étaient changés dans le moniteur. C'est pas les mêmes mots qu'il faut pour approuver les neuf membres, nouveaux membres. Et pour le moment, c'est au moins c'est ce que mes contacts, ils sont bons, m'a dit que pour le moment, Henri est toujours le premier ministre et tous les ministres qui étaient dans son équipe, ils sont toujours les ministres. Mm-hmm. C'est vrai? Ah, vous me posez la question à savoir si c'est vrai. C'est ça que vous pensez aussi, quand Henri est toujours le premier ministre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est sûr et certain. Et ça pose un grand problème. Un grand, grand problème. Madame White. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne en Haïti. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi... La chose qui est la plus importante, c'est la sécurité. On parle de 9 personnes, c'est OK, on parle de 9 personnes, mais on ne parle pas de sécurité. On ne peut rien faire en Haïti s'il n'y a pas de sécurité. Justement. Il y a 5 millions de personnes qui sont assez de manger. Il n'y a presque pas de l'eau, il n'y a presque pas de nourriture, il n'y a pas de les choses pour les médecins. C'est une crise humanitaire qui est incroyable à penser. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'intérêt des États-Unis. Et pour le moment, je parle... aux gens qui travaillent dans l'équipe de White House, pourquoi il n'y a pas plus d'attention sur la situation sécuritaire? Parce que c'est ça où le peuple haïtien, c'est ça où il souffre. Et pour moi, ça c'est la première chose qu'on doit faire pour le peuple d'Haïti. Je ne parle pas pour le peuple d'Haïti, le peuple d'Haïti peut parler pour eux-mêmes. Moi, je parle aux gens à Washington, et je demande à eux, il faut envoyer l'aide humanitaire. Il faut envoyer la nourriture et de l'eau et des choses médicales. Il faut faire ça hier. Demain, pas semaine prochaine, pas l'année. Ça fait des années déjà où les peuples haïtiens souffrent trop. Et maintenant, il n'y a pas, pour le moment, je n'ai pas le doute, je n'ai pas voir une solution sur la situation humanitaire. Je ne vois pas. Mm-hmm. Je vois que si cette nouveau conseil de transition, si, et ça, c'est pas sûr maintenant, si une fois qu'ils sont là et ils sont le gouvernement, c'est eux qui peuvent des choses pour la sécurité, pour que la situation améliorée. Mais avec quoi? Le police haïtienne, je crois qu'ils try. Mais ils sont 5 000 personnes. Les gangs, ils sont 25, 30, 35 personnes, 1 000 personnes. Comment 5 000 personnes de police peuvent combattre 30 000 gang members, je ne vois pas comment le faire. Et est-ce que quelqu'un pense que les 1 000 Kenyans vont venir en Haïti et tout se va bien? Je ne crois pas. L'éclair. Et madame a dit comme ça, comment tu as compris pour t'apprendre environ 5 000 soldats ou bien policiers ou whatever pour t'avoir combattre 25 à 30 000 gangs. Il dit qu'on ça, bon, on parle, nous pas même là même, n'a parlé, on a fait des 1 000 policiers Kenya. Il dit, il pas quoi même dans rêve. Il pas quoi comme si ça.
Et li clair, c'est qu'on sale toujours. Et ça qui est important, il y a ça qui est danger pour nous-mêmes en tant que peuple, c'est que c'est ça qui gagne comme focus là, moi, sous dossier force multinationale ça. Qui vient contrôler port, aéroport, grand voie axe axe routier, grand axe routier, ça veut dire grand routier pour faire qui ça? Ça aussi ça la question. En dehors de madame Lalim, toujours m'a couper trop pour nous capable pas perdre fil et ça cap dire. Mm-hmm. Je crois que il faut une autre solution. Madame White, vous venez de dire il y a quelques instants que vous avez pas beaucoup d'espoir dans le déploiement de la force multinationale avec à sa tête les Kenyans. Si vous n'avez pas beaucoup d'espoir, c'est que vous pensez qu'il y a d'autres options. Et les Américains... Ils doivent être les autres options. C'est ça que je dis. Je dis ça clair. Parce que je parle avec beaucoup de mes amis. Quelqu'un qui est en Haïti, il y a beaucoup qui en Washington et l'autre partie. Franchement, presque chacun, jusqu'à aujourd'hui, presque chacun a dit la même chose. 1000 Kenyans ne peuvent pas régler la situation sécurité en Haïti. Je crois que c'est incroyable que personne croit que ça c'est une possibilité. Ah, moi, je ne vois pas comment ça va. Et un autre grand problème, j'ai lu seulement ce matin, très tôt ce matin, que les Uzi et les grands munitions, ils sont toujours, ils commencent en Miami ou Floride, quelqu'un, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup sur le mer qui vont arriver en Haïti cette semaine même. Pourquoi on ne peut rien faire avec ça? Ça, maintenant, Haïti est le pays où la plupart des guns, les grands, horrible guns, avant c'était les autres pays en Amérique du Sud, mais maintenant c'est Haïti qui reçoit plus de guns de tous les autres pays. Ça, c'est impossible. Et un problème là, j'ai lu ce matin, que c'est la première fois que j'ai lu ça, que c'est à cause de cette administration, la Biden administration, et laisse-moi être clair, moi je suis un démocrate, mais la Biden administration, ils ont coupé beaucoup de l'argent, les fonds, pour le Coast Guard. Et le maintenant, il a seulement 2 ou 3 bateaux. Et même eux, c'est difficile d'avoir assez de personnes parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Le budget était complètement, comment dire ça, coupé. Et maintenant, on a beaucoup de difficultés. Il a dit, c'est impossible avec son équipe maintenant, avec l'argent qu'il a, qu'il peut, contrôler les armes qui quittent notre pays. Ça, c'est absolument ridicule qu'on ne peut pas régler cette ammunition. Et c'est quelque chose de très triste pour dire à tout le monde on ne peut rien faire pour le trafficking. Pendant le temps que j'étais l'ambassadeur, c'est les drogues qui étaient le grand problème entre les deux pays. Maintenant, c'est les armes. Mm-hmm. Et on dit qu'on ne peut rien faire. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut rien faire pour contrôler et empêcher que les armes arrivent en Haïti de la Floride? Vous pensez qu'on ne peut rien faire vraiment? C'est pas moi qui dis ça. C'est les gens de Coast Guard qui a dit ça ce matin. J'ai lu ça dans un article. Il dit que, c'est triste et c'est horrible et tout, et blablabla, mais ils n'ont pas de l'argent ni les gens qui peuvent le faire. C'est eux-mêmes. OK. Madame White. Mais moi-même, mais tout le monde en Haïti peut voir tous les armes qui sont là. Les gangs, ils ont plus des armes que les polices. Oui. Il y a une hypothèse.
alimenté par certains groupes politiques qui prétendent que les États-Unis auraient volontairement créé la crise haïtienne, planifié le chaos et même la destruction afin de venir se présenter en sauveur, occuper le pays et s'accaparer de ses ressources naturelles. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous diriez à ces propos-là? Non, je crois que ça c'est pas du tout vrai. Non, c'est une idée que je n'accepte pas du tout, mais c'est une chose qui est vraie, que ça fait maintenant presque 3 ans après que Moïse était tué, et juste même après il était tué, tout le monde dit « Ah, ça sera difficile parce que le gouvernement, je ne sais pas qui va contrôler le gouvernement. » Et Henri était arrivé 2, 3, 4 mois après ça. Et au commencement, on dit « Ok, il sera là pour, je ne sais pas, 10 mois, 12 mois, une année, blablabla. » Mais tout le temps qu'il était à la tête du gouvernement, des choses étaient venues pire et pire et pire. Et tout le monde a regardé ça, même pas les États-Unis, tout le CARICOM, la France, le Canada, tout le monde a regardé que les gangs, peu à peu, à commencement, les gangs ont contrôlé 20 personnes, et 40 personnes, et 60 personnes, maintenant, au moins 80 personnes. Et rien n'était fait. Et c'était une question, je crois, de qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne veut pas mettre encore les troupes en Haïti, on ne veut pas faire une autre occupation jamais, on ne veut pas faire le UN. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit, on ne peut pas faire ça, on ne veut pas faire tel et tel et tel et tel. Mais presque rien a dit que, oh, les pauvres anciens, les peuples, ils n'ont pas assez de... Il y a des gangs partout, ils n'ont pas assez de boire. Mais rien n'était fait. Et maintenant, il y a une crise incroyable. Rien ne fonctionne dans le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de médecins. Il y a 2 seuls hôpitaux qui fonctionnent pour le moment. Et maintenant, on trouve la situation presque impossible à décider qu'est-ce qu'on doit faire, mais pour faire rien ou presque rien, ça c'est pas une réponse, ça fait pas une réponse. Le chef du UN a dit il y a, je crois que c'est la semaine passée, que la situation Haïti est le pire du monde, la situation humanitaire, c'est le pire du monde, c'est du monde. Ça c'est, il y a beaucoup de places qui souffrent. Mais quand on voit cette situation et on fait presque rien, ça c'est pas acceptable. Mm-hmm. C'est pas acceptable pour moi. Mais il y a une autre chose aussi que ce matin, pendant le week-end, parce que je savais que je serais ici ce matin, j'ai regardé toutes les nouvelles sur la télévision pendant le vendredi, samedi, dimanche, et même tôt aujourd'hui, rien, même pas un mot sur Haïti. Beaucoup d'Irak, beaucoup de Gaza, beaucoup d'Ukraine, mais même pas un mot. Et moi, je me demande pourquoi Haïti n'est pas sur toutes les nouvelles, télévision, ou écrit ou quelque chose, je ne comprends pas du tout. Mm. Mais ça c'est une autre chose qui... Vous journaliste, et je suis sûre que vous avez beaucoup de amis aux États-Unis dans le domaine du journalisme, et vous devez parler avec eux, il faut que Haïti est sur la télévision chaque jour, pour que on peut shake the trees en Washington, pour que Washington commence à faire quelque chose maintenant, pas hier, pas demain, pas semaine prochaine, mais maintenant. Mais je ne vois pas, parce que c'est pas quelque chose qui est dans la nouvelle des États-Unis. Je crois que c'est quelque chose que permettent les politiciens à dire, OK,
Et dit, on va faire quelque chose la semaine prochaine. Oh, on va envoyer 1000 soldats ou policiers de Kenya. Ça, cette situation, c'est OK. Mais ce n'est pas OK. Ce n'est pas du tout OK. Madame l'ambassadeur, il y a aujourd'hui un narratif très populaire qui veut faire croire que les pays occidentaux, États-Unis, la France, le Canada, refusent de prendre part directement à des opérations militaires en Haïti à cause des reproches qui leur sont donc adressés pour les échecs connus dans le passé. Est-ce que vous croyez que c'est justifié? Non. Malheureusement, je ne crois pas que c'est justifié. Et pourquoi est-ce que les États-Unis refusent? Non, je comprends bien qu'il y avait des problèmes. J'étais même là. Mais il y a le choléra, il y a des rapes, je ne sais pas le mot en français pour rape, je ne veux pas savoir. Je sais qu'il y a des problèmes avec les soldats dans les voisins. Ils ont fait des choses pas gentilles du tout, mais c'est-à-dire qu'ils prennent des choses sans payer. C'est pas, il y a des choses qui sont... Qui n'était pas bon, mais est-ce que ça c'était vraiment horrible? J'accepte ça, mais pour faire absolument rien, comme il y a un très fameux, très 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 bon, intelligent ambassadeur Tom Shannon qui connaît Haïti très bien et il a visité pendant le temps que j'étais là souvent. Il était expert dans la région. Il était numéro 2 du département de l'État pour une certaine période de temps. Et il a dit que it is shameful que les États-Unis ne fassent pas quelque chose plus pour Haïti. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les troupes américaines. C'est shameful. Et c'est, pour moi, c'est ça que je crois aussi. Je ne veux pas que les troupes américaines soient en Haïti pour gérer le pays. Non, ce n'est pas le rôle de tout. Mais au moins, il faut aller pendant une période de 6 mois pour qu'ils puissent ouvrir humanitarian corridors, les corridors, je ne sais pas si c'est le mot français, humanitarian, pour que l'aéroport peut fonctionner, que le port peut fonctionner, les routes même maintenant, on ne peut pas voyager entre une ville et une autre. Il y a combien? 500 000 qui n'ont pas une place à habiter. Il faut que nous ayons au moins une solution, pas pour tout, pas pour 5 ans, même 1 an, mais au moins pour 6 mois. Il faut faire quelque chose, aussitôt que possible. Le Salvador de Nayib Bukele propose de venir en aide à Haïti pour éradiquer les gangs s'ils sont financés, si les pays donateurs acceptent justement de financer leur déploiement en Haïti. Comment est-ce que le gouvernement américain perçoit l'offre de Nayib Bukele? Est-ce que vous auriez accepté de leur donner l'argent de la mission si les efforts du Kenya et les autres pays caribéens n'aboutissent pas? Et si vous étiez encore ambassadeur en Haïti, est-ce que vous auriez demandé à l'administration américaine d'accepter l'offre de Bukele? Non. Pourquoi? On n'a pas besoin de plus de violence. Non. Si on voit les troupes américaines, c'est pour arrêter la violence. C'est pas pour escalader la violence. Non, on ne va pas accepter ça. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire, que cette troupe kenyane, le gouvernement kenyan, ils ont dit il y a quelques jours, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 jours, que pour envoyer 1000 policiers en Haïti, ça va coûter
600 millions de dollars. 600 millions de dollars. Now, qui a contribué dans le fonds de l'UN? Il y a le Canada qui a contribué. Ils ont, pour le moment, rien n'était dans le fonds, mais ils ont dit qu'ils vont donner 80 millions de dollars. Les États-Unis, ils ont dit 200 millions et un autre million pour l'aide humanitaire. Et peut-être ils ont dit aussi un autre million, mais ce n'est pas approuvé par le Congrès des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et si le prix pour 1000 soldats est 600 millions de dollars, qui va payer ça pour 1000 soldats, 1000 policiers? Bon, je ne sais pas. Je crois personne. Je crois qu'il n'y a pas de pays. Très bien, oui. Mais qui ça, et ça que Madame Nandi là qui est extrêmement important? Qui est-ce qui va le payer 600 millions de dollars américains pour 1000 policiers Kenya? Ça m'est comme si. Quel est le bagage attendre des fois comme si, on dit tête au monsieur, ou pas de monde, c'est voler seulement gain en Haïti. Ok, 600 millions de dollars américains, ben nous 100 millions seulement matériel pour la police d'Haïti avec la médaille d'Haïti pour la quantité de matériel qu'on a gagné. Mais 600 millions de dollars américains. Pas ce monde dans bêtise ça, monsieur, parce que nous pas de monde en Haïti. Ça fait mal en pile. Je venais le bail autour yo. Bail salope tout yo pour grand merci man. Franchement, c'est grave. What video at? Qui vont payer dans cette fonds? Grave man. Et vraiment 600 millions de dollars, c'est pour quoi? Une année, deux années, trois années, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est beaucoup de l'argent pour 1000 policiers qui non pas pour faire quoi, je ne suis pas exactement sûr. Beaucoup de spécialistes. Mais pour le moment, il n'y a pas de l'argent pour cette mission. Pour le moment, il n'y a pas. L'argent n'est pas encore disponible ou bien bloqué non. Par le Congrès. C'est, l'argent pour les États-Unis est bloqué au Congrès, mais il n'y a rien pour les autres pays. Où est l'argent de France? Où est l'argent de EU, où est l'argent de, je ne sais pas, même pas un sou. Mais même Goubaï qui m'a dit là, alors Goubaï qui m'a toujours dit qu'il est extrêmement important. Et ça cause, m'oblige de travailler pour moi gérer ça. Et l'antipo m'a parlé, il faut nous être prudents dans ça l'a dit. Même si l'anglais n'est pas l'anglais, mais quelque part, les mêmes n'y pas parlé n'importe qui gens. Li tout l'argent par États-Unis pour force Kenya, li bloqué par le Congrès. Li bloqué par le Congrès américain. Congrès a bloqué. En même temps, li dit, côté l'argent la France là. Côté l'argent l'Union européenne. Il dit pas même une fois, il pas même décu, pas jamais décaissé. Pourquoi ça tout temps c'est États-Unis? C'est pour l'argent qu'a jamais décaissé. Il y a aucun ben sous ça et puis voler dans pays d'Haïti, lui même a continué de tout pays là. Que peut pas ici foutre tout politicien ici tourner boule moi papa il peut y libérer. Claire, on a les madame Laline, on bien parler. Est-ce qu'il y a un pays franchement, il y a un pays qui gère le basket fund? Franchement, c'est l'ONU. Non, il n'y a pas de basket fund. Il y a un basket fund à l'UN, mais pour le moment, au moins j'ai lu il y a quelques jours, je ne suis pas au courant, mais c'est pas longtemps non plus que il y a 11 millions dans le basket fund à l'UN pour le moment. Géré par les Nations Unies. Yeah. Ok. J'allais vous dire que beaucoup de spécialistes pensent qu'on aurait pu aider Haïti à faire face aux gangs à travers une intervention rapide, genre opération éclair, coup de poing, pour débloquer la situation. Et pour ensuite céder la place à l'ONU, comme c'était le cas dans le passé. Est-ce que cette possibilité n'existe pas encore, n'existe plus? Ça existe toujours. Et mais d'être sûr que moi, je ne parle pas pour le gouvernement des États-Unis. Je ne travaille pas pour eux. Je suis sûr qu'ils sont contents de ça pour ce moment. Mais je parle seulement parce que j'ai une voix.
Et peut-être il y a personne qui dit peut-être c'est une bonne idée. Oh, ok, on va penser de ça. Au moins mettre des idées dans leur tête. Mais c'est une possibilité. Mais c'est une possibilité pour envoyer les troupes américaines aussi. Mais c'est pas une probabilité pour les deux. Malheureusement, parce que je crois que c'est quelque chose. Qui de tous les un ou l'autre doit faire. Pour moi, sera plus difficile à organiser les troupes de UN. C'est plus difficile parce que c'est beaucoup de nations qui doivent faire partie de cette intervention. Mais pour les États-Unis, c'est beaucoup plus facile parce que si nous dites aux marines, bon, c'est vous. Je crois même si on peut envoyer même pas beaucoup de marines qui peuvent établir ces corridors humanitaires, je crois qu'on peut le faire sans trop d'organisation. Mais l'UN, c'est compliqué. Mais c'est toujours une possibilité. Ce n'est plus le même pays que vous avez connu, Madame l'ambassadeur. Pourquoi est-ce que les États-Unis ne le font pas? Ne font pas quoi? Pourquoi ils n'essaient même pas d'envoyer des Marines, comme vous le dites? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je n'ai qu'une idée. Vous n'avez pas. I really don't. Pour moi, c'est... parce que je demande la question encore dans des autres, mais pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Ok, si vous ne voulez pas faire ça, peut-être on peut faire tel, mais c'est très difficile. Vous savez que la raison que j'adore le pays d'Haïti, c'est pas à cause de j'étais l'ambassadeur d'Haïti, c'était très bien. Mais c'est à cause de je suis arrivée en Haïti comme un junior nothing officer en 85, pendant juste avant Baby Doc est parti le pays. Et j'étais là avec mon mari, mes deux fils. Et jusqu'au mon mari à l'époque, Dr. Michael White, il n'est pas encore là avec nous. Après Haïti, nous étions en Égypte. Ils étaient diagnosed avec un brain tumor là et ils étaient déçus. Un an après ça. C'est-à-dire que Haïti était le dernier pays que nous avons habité ensemble comme une famille. Et jusqu'à aujourd'hui, mes deux fils, quand vous demandez c'est quel pays que vous aimez le plus dans le monde, Haïti, absolument même mot. Quelle nourriture que vous aimez le plus, griot, absolument même chose à leur bouche. Et pour ça, parce que c'était un pays qui est dans le cœur de toute ma famille, que c'est dans mon cœur aussi. Et c'est la raison que je pleure. Quand je vois l'Haïti maintenant, qui n'était pas parfait pendant le 85 jusqu'à... j'étais là pendant 5 ans. Ce n'était pas fait. Il y a beaucoup de violence là-bas aussi, mais c'est complètement différent que Haïti aujourd'hui. Et moi, je vois que Haïti a des choses à offrir le monde. Il y a beaucoup de choses à offrir. Et pour voir cette situation maintenant, c'est incroyable. Incroyable. Très, très, très triste. Madame l'ambassadeur, nous allons observer une pause. Et au retour, vous répondrez à cette question pour moi. Avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous aviez dit que celui-là, il faut l'écarter. Et Jovenel Moïse allait être assassiné 4 mois plus tard. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous demander qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous vouliez dire
quand vous parliez justement de personnes à écarter, alors que Jovenel Moïse, c'était quand même un président élu, vous répondriez à cette question au retour. Merci encore une fois de votre disponibilité. Et là encore, je peux vous dire, si jamais vous avez des choses à exprimer en anglais, feel free to speak English because we have an interpreter here. OK. Très bien. Merci. À tout à l'heure. Justement, c'est madame et la Lim, obtendez là, et un interview, ça. Avec nous, madame Pamela White, ancienne ambassadeur des États-Unis en Haïti. Alors, juste avant de vous poser la question, juste avant de revenir, madame White, sur la question relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, avant la fin de la première partie de l'émission, vous avez dit que si aujourd'hui on pose la question à savoir quel pays ils aiment, vos fils vont dire c'est Haïti. Toute votre famille aime Haïti. Pourquoi? Ah, parce que pendant cette période, 5 ans, le plus long term, que, dans tous les pays que nous avons served, Haïti, c'était 5 ans, c'était une longue une période assez longue. J'étais à l'école qu'ils ont aimé. Nous avons un beach house avec un bateau. On a joué dans le mer chaque week-end. Ils aiment la cuisine, ils aiment les arts, ils aiment la musique. Ils aiment le peuple haïtien, qui sont le plus gentil du monde. Mm-hmm. C'est simple, c'est très facile à aimer Haïti. Oui. Venons maintenant, venons-en et à la question relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. 4 mois avant, vous avez dit que ce dernier, il faut l'écarter. Il faut le mettre de côté. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, Madame White, alors qu'il allait être assassiné 4 mois plus tard? C'est absolument incroyable, moi, que personne dans le monde croit que moi, petite moi, a quelque chose à faire avec son assassination. Ça, c'est ridicule. Je n'ai personne, je suis ici, dans l'état de Maine, je n'ai pas les personnes qui travaillent pour moi, personne, même pas une assistante administrative, personne. Et pourquoi que... Donc, quelle crazy idée que c'est moi qui ai organisé, même si c'est moi qui ai pensé de quelque chose comme ça. C'est terrible. Personne ne veut que... Et bien, ça, vous demandez, madame. 4 mois avant l'assassinat du président, vous dites qu'il doit écarter le président. Un président qui est élu démocratique pendant le pays d'Haïti. Par conséquent, dans le pays, un président élu ou son démocrate, ou qu'on est qu'il là pour 4 ans, il est capable d'aller à l'élection, mais c'est le peuple américain pour voter le poule élu comme président encore. Sinon, s'il est capable de faire suivi, il tape tout on a 8 ans pour un président. Le Sadano Trump tape là toujours. Mais maintenant, le peuple américain a décidé de voter by Donald Trump pour voter de non-confiance, mais dit alors, minorité a voté pour lui, majorité a voté pour Joe Biden. Mais ou même on dit que faut qu'il écarte un président du pays d'Haïti. Aïe, aïe, aïe. Équipement est loué. Quelqu'un est tué comme ça, ça c'est ridicule. Je ne veux pas même le prendre. C'est ridicule. Vous savez aussi que certaines gens pensent que les États-Unis étaient au courant du projet de l'assassinat de Jovenel Moïse? Non, je ne crois pas. Je crois pas, mais je crois que quelqu'un, je ne sais pas qui, mais quelqu'un doit savoir qui a tué président Moïse. Il y a 16 ou 20 personnes qui étaient là ce jour. Il y a 20 bouches qui peuvent parler de cette situation. Je ne peux pas comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un, Colombie ou Miami ou Haïti, qui bien
qui comprend exactement ce qui passait cette jour. Je suis sûre et certaine. Je ne sais pas qui, mais je suis sûre qu'il y a des personnes. Non, les auteurs intellectuels peuvent savoir. Les auteurs intellectuels peuvent savoir. Les exécutants aussi sont au courant. Mais juste après l'assassination, le DEA a dit nous allons aider, le CIA a dit nous allons aider, la FBI a dit nous allons aider, le police haïtien dit nous allons aider, le Colombien dit nous allons aider. Bon, ok, great. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Puisque vous faites une investigation, blablabla, et de, rien. Je ne sais pas. Puisque vous observez ce qui se passe, ou encore l'état d'avancement de l'enquête, est-ce que vous êtes satisfaite jusque-là? Non, je ne suis pas satisfaite du tout. Et il y a beaucoup de monde, tous beaucoup importants comme moi, qui doit demander une réponse à cette question. Qui a tué le président? C'est important à savoir. Mais qui va demander ça? Vous savez qui va demander? Vous, les journalistes. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas des gens dans le secteur judiciaire. Ça va tomber sur vous à demander qu'est-ce que s'est passé. Il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que s'est passé cette journée-là. Et avant. Au cours de la première partie de l'interview, Madame Pamela White, vous avez dressé un tableau de la situation générale du pays. Ports et aéroports sont fermés, ne fonctionnent pas. Toutes les activités sont paralysées. Nous sommes en Haïti en pleine crise humanitaire. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement démissionnaire, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, a publié le décret portant création du CP, le Conseil présidentiel de transition. Est-ce que vous demeurez optimiste par rapport à cette étape franchie? Est-ce que vous pensez que la fin de la crise, ce serait pour bientôt, quand on constate que les États-Unis saluent, les États-Unis applaudissent la création du CP. Est-ce que vous pensez que la fin de la crise est pour bientôt? Franchement, non. mais il faut donner une chance. Il n'y a rien d'autre sur la table pour le moment. Mais la chose importante que je voudrais dire cette sujet, je crois qu'il faut au moins donner une chance à cette CET. Mais ça, c'est un grand problème. Et, bon, je voudrais dire ça en anglais pour qu'on puisse traduire. Oui. Parce que c'est ça qu'on me dit. They've told me that Henri and his équipe has said that for these 9 members to be approved by him, that they have to do certain conditions that he's put in the monitor, that they change the language in the monitor. And in the monitor, it says that they need certain approvals by agencies or organizations in the government of Haiti that don't exist. So if what they put in the monitor is what is going to be followed, and it should not be, but what if what's in the monitor is going to be followed, then we will not even have a chance of this new Conseil de Transition. Merci. And listen to me, that somebody has got to tell Henri and his team that they have to go. Henri est encore, pour cet instant, Henri est toujours le premier ministre d'Haïti, jusqu'à aujourd'hui. Et quelqu'un doit dire, il faut, votre temps est fini. You know, I've seen in my career
that once a person has power, I've seen this in Africa over and over and over, to give it up is almost impossible. The lure of power is so bright and so strong that no one wants to give it up. And that's true of Hungary. But the United States government has got to say, go. Ils ont dit ça une fois, il faut dire ça encore. Traduction. Merci beaucoup, madame. Oui, ils ont dit que Ariel Henry mettait dans le moniteur là, dans le décret qui est publié, des conditions qui pas même exister, des conditions qui pas doit exister. Ça y est écrit dans le moniteur, pas qu'à faire, il pas doit faire. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique demandaient à Ariel Henry pour le quitter le pouvoir. Ils ont demandé ça déjà, c'est pour demandé ça encore. Moi, ouais que en Afrique, par exemple, il y a une situation côté l'homme qui est sous pouvoir tellement léchant, pouvoir tellement douce, il n'y a pas de quitter le pouvoir. Mais il est pour Ariel Henry, il faut qu'Ariel Henry aille, parce que sinon, il va prendre un paquet de temps pour faire bagage ça, que Ariel Henry n'a pas demandé dans le décret que lui demande. Donc, il faut qu'Ariel Henry aille. Okay. Okay. Mm-hmm. Listen, I don't have much time left, so can I say like two or three things I want to make sure are heard? M'pa gen pil tan, men gen deux trois bagay m'ta men di que m'vle fè certain que c'est ça m'détendé. Yes, allez-y, madame. Okay, premièrement, we have to have humanitarian corridors with food and medicine and water. And those have to be established, in my opinion, by American boots on the ground. Premièrement, that's my opinion. Faut qu'on corridor humanitaire qui établit avec des troupes américaines souterrain en Haïti. Dans opinion, c'est ça que pour fait. Second, I think that there has to be more concentration on arms trafficking. Arms are killing innocent Haitians. There is no reason why we can't improve the security, the policing of these horrific arms leaving the United States and entering Haiti. If we can't get a handle on that, we are not going to get a handle on the security situation. Deuxièmement, gen trop zam k'ap rentre en Haïti. Fok les États-Unis joignent nou moyen pour interdit zam sa yo k'ap rentre en Haïti. Si nou pa ka joignent nou façon pour nous interdit zam sa yo rentre en Haïti, pa gen aucune façon pour situation sécurité a améliorer en Haïti. And last, I want to say that I hope before I die that I can once again visit my beloved Jacmel and have a swim in the beautiful ocean there. Troisièmement, m'espérer que avant mourir, m'a capable visiter belle Jacmel moyen pour me capable bien dans la mer Jacmel avant mourir encore. Avant mourir. Encore pas encore. Excusez-moi, avant mourir. Excusez. Merci. Une dernière chose, madame, vous étiez en poste en Haïti entre 2012 et 2015. Et comme vous l'avez dit, vous avez fait des amis et vous êtes une amie sincère d'Haïti apparemment. Partagez avec nous vos propositions pour que Haïti sorte de ce pétrin, de ce bourbier, si vous préférez. Une proposition de sortie de crise, ce serait quoi? Oh, yeah, okay. Well, je crois qu'il faut commencer avec cette chose de humanitarian corridors, parce que ça, c'est l'urgence pour le moment. Pour le long terme, il faut, bien sûr, loin, il faut des élections. Mais moi, je ne vois pas des élections avant deux ans, au moins deux ans, parce qu'il faut faire des autres choses. Il n'y a pas de gouvernement pour le moment en Haïti. Il faut commencer presque à point zéro. Et ça va prendre du temps. Et sûr et certain, il faut un gouvernement de transition. Si c'est avec 9 personnes, si c'est avec 7 personnes, c'est pas moi à dire et je ne vais pas dire. C'est le peuple haïtien qui va décider
c'est quoi? Mais il faut un gouvernement de transition. Mais ça le dit qui est important, on a tout campé là nous-mêmes, c'est peuple haïtien qui a décidé. Alors nous décider et puis États-Unis style à supporter un groupe monde qui pas de légitimité, qui nous pas d'accord ensemble avec elle.